Que j'appelle une femme charmante. Maintenant, elle me demande de venir garder la boutique. Voilà qui est bien compris et pratique. Et c'est ainsi qu'une maîtresse de maison à chaque visiteur doit assigner un rôle en rapport avec ses patrons. Moi, ma façon, c'est mes épaules. Quand je vois ici rassembler toutes ces machines subtiles, tous ces ressorts menus à plaisir embrouillés, je songe au mécanisme qu'est la femme. Mécanisme autrement compliqué, s'y reconnaître est difficile. À Dieu ne plaise aussi que je m'arroge le soin minutieux d'en toucher les ressorts. Talent que m'a donné le sort se borne à porter des horloges. Monsieur, monsieur, à ma gorge, les mots s'arrêtent de détruire. Traitez-moi de folle, tant pis. Mais comment voulez-vous dans ma chambre que je garde une horloge qui va? Tout de travers, elle partira pour mes nerfs. La rapporter, ça me regarde. À tout à l'heure. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. M'avoir si gentiment ce labeur ménager, tantôt emménager, tantôt déménager. Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Et puis cette boutique est un plaisant séjour. Entre chaque montée, après chaque descente, nul est porteur par ses discours, ni vient troubler ma quiétude à penser, on n'a qu'à se laisser bercer au tic-tac régulier de tous ces balanciers. Et
pendule, joyeusement tintinable. Tout ainsi que par les sentiers muletiers sonnent les grenots de mes murs. Si je devais mon sort changer, n'étais-je muletier, je serais horloger dans cette horlogerie, avec cette horloge. L'horloge encore ne fait pas votre affaire. Bon, bien, laissez, laissez. Je l'avais recherchée.